الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحبابي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est un honneur pour moi d'être avec vous dans la ville de Béziers. Je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie l'association de la mosquée Ar-Rahma, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, les préserve, les frères Tarek, l'imam et tous ceux qui ont contribué à cette rencontre, qu'Allah tabaraka ta'ala multiplie ces rencontres dans toutes les mosquées car elles sont très importantes pour la foi. Ahbab al-Kiram, j'ai entendu en venant ici beaucoup de gens dire Alhamdulillah, le frère Nader il arrive à Béziers, t'es attendu, beaucoup de gens veulent te rencontrer, etc. Et il m'est impossible de commencer cette conférence sans rappeler cette belle parole de nos ancêtres, Salaf rahimahullah, qui est Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun. Oh Allah, ne me punis pas pour ce qu'ils disent de moi. Ya Allah, ne me punis pas pour ce qu'ils disent de moi. Waj'alni khayran mimma yadhunnun. Et fais que je sois meilleur que l'image qu'ils ont de moi. Waghfir lima la ya'lamun. Et pardonne-moi ce qu'ils ne savent pas de moi. Enfin, je suis un simple mesquin, un petit talib ilm qui essaye modestement d'aider la communauté avec le peu de moyens qu'Allah lui a donné. Enfin, inutile de venir gonfler le frère Nader en disant Alhamdulillah ceci cela. Bien sûr, Alhamdulillah, on vous rencontre, on est heureux en tant que frère. Voilà qu'on n'a rien de plus que vous. Ahbab al-Kiram, notre thème aujourd'hui, il est extrêmement important. Ce thème est l'importance de la famille. Mes frères et sœurs, ce sujet est très important et il concerne tout le monde car la plupart, j'ai bien dit la plupart des gens ont une famille. Et malheureusement, nous vivons une époque où un grand nombre de personnes n'accordent plus d'importance à la famille. J'adresse donc ce rappel à tout le monde, à moi en premier, ainsi qu'à vous, ainsi qu'aux auditeurs qui écouteront, Inch'Allah, cette conférence sur le net. Sachez, Ahbab al-Kiram, qu'il est du devoir de ceux qui appellent à Allah de rappeler de temps à autre aux gens l'importance de la famille. Car malheureusement, ça s'oublie. Et qu'Allah tabaraka ta'ala fasse qu'on se rappelle du bien et qu'on le mette en pratique. Quand je parle de la famille, je parle, dans un premier temps, des parents, des enfants, des frères et sœurs, des oncles maternels et paternels, des tantes maternelles et paternelles, des grands-parents, des petits-enfants, des ancêtres, des descendants, des cousins, des cousines, des neveux, des nièces et du reste des proches de la famille. Mes frères et sœurs, maintenir les liens de parenté est une obligation religieuse. Et c'est une ibad, une adoration très importante. Savez-vous ce qu'Allah tabaraka ta'ala a dit sur les liens de parenté? Est-ce que vous savez ce qu'Allah tabaraka ta'ala a dit à ce sujet? Allah azza wa jalla a dit dans sourate al-Isra, sourate 17 verset 26, wa ati dhal qurba haqqah. Et donne aux proches ce qui lui est dû. Les proches ici, il est parlé de quels proches? Les proches de la famille. Tes proches ont donc des droits sur toi. Et ce qui est triste, c'est qu'on vit une époque où on cherche tout le temps nos droits et on ferme souvent nos yeux concernant les droits d'autrui. On voit par exemple le père de famille dire à son fils « Où est passée la bienfaisance envers les parents ?» Et ce papa oublie les droits que son fils a sur lui. Ou bien c'est la femme qui dit à son mari « Où sont mes droits ?» Et elle oublie les droits de son mari. Mes frères et sœurs, écoutez avec moi ces versets qui parlent de l'importance de la famille, des proches. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate An-Nahl, sourate 16 verset 90, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Certes, Allah ordonne, c'est un ordre de la part d'Allah. Allah ordonne 1 l'équité, la justice, 2 la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et l'assistance aux proches. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate An-Nisa, sourate 4 verset 36, وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. Allah tabaraka wa ta'ala dit, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, puis les proches.
puis les proches. Et Allah Azzawajal a dit dans Sourate An-Nisa, dans le premier verset, Sourate 4, verset 1, Ya ayyuhannas, ittaqu rabbakum. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. Écoute bien. Et craignez de rompre les liens du sang. Allah tabaraka ta'ala nous met en garde contre le fait de rompre nos liens avec les membres de la famille. Et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. On voit à travers ces versets l'importance des proches, de la famille en islam. Et sachez qu'Allah tabaraka ta'ala a menacé ceux qui rompent leur lien de famille. Allah azawajal a dit dans sourate Al-Baqara, sourate 2, versets 26 et 27, Yudillu bihi kathira, wa yahdi bihi kathira, wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. C'est qui ces fasiqin? C'est qui ces pervers? Alladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqih, wa yaqata'una ma amara Allahu bihi. Par cela, nombreux sont ceux qu'il égare et nombreux sont ceux qu'il guide. Mais il n'égare par cela que les pervers. Taïb, leur description c'est pervers. Il n'égare par cela que les pervers qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah et coupent ce qu'Allah a ordonné d'unir. Écoute bien, et coupent ce qu'Allah a ordonné d'unir. Et parmi ce qu'Allah tabaraka ta'ala a ordonné d'unir, il y a les liens de parenté. Il y a les liens de parenté avec les parents et les proches. Allah tabaraka ta'ala a déclaré ceux qui coupent ce lien comme étant des pervers. Et Allah azawajal a dit dans sourate Muhammad, sourate 47, versets 22 et 23, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ. N'avez-vous pas peur qu'en vous détournant de la religion, médite bien sur ce verset, n'avez-vous pas peur qu'en vous détournant de la religion, vous ne répandiez le désordre sur la terre et que vos liens familiaux ne se détériorent? Vous vous détournez de la religion, il y a la corruption sur terre et il y a une division dans la famille. Écoute bien, n'avez-vous pas peur qu'en vous détournant de la religion, vous ne répandiez le désordre sur la terre et que vos liens familiaux ne se détériorent? Ce sont ceux-là qu'Allah a maudits. Allahu Akbar. Ils sont maudits par Allah, chassés de la miséricorde d'Allah tabaraka ta'ala. Ce sont ceux-là qu'Allah a maudits. Il les a rendus sourds. C'est-à-dire, il a fait azawajal qu'ils n'écoutent plus la vérité, et s'ils l'écoutent, ils n'en tirent pas profit. Et a rendu leurs yeux aveugles. Ils ne voient plus le haqq, la vérité. Et s'ils le voient, ils n'en tirent pas profit. Dans ce verset, on voit clairement que celui ou celle qui coupe ses liens de parenté est maudit par Allah tabaraka ta'ala. Est maudit, il est chassé de la miséricorde d'Allah. Et vous savez très bien qu'on rentre au paradis que par la miséricorde d'Allah azawajal. Fahbab al-Kiram, que ceux qui ont rompu des liens avec les membres de leur famille réparent ça aujourd'hui et qu'ils n'attendent pas demain. C'est pas possible, c'est inconcevable que tu entendes un verset comme ce verset qui est fort et qui te parle d'une malédiction, et que tu rentres chez toi comme si de rien n'était et tu dors tranquille. Si tu as un minimum de foi, tu ne peux pas agir ainsi. Allah tabaraka ta'ala se met en colère et déteste celui qui coupe sa relation avec ses proches. Puis voyons maintenant ce qu'a dit notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant les liens de parenté. Selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu an jami' al-sahaba, le prophète alayhi sallatu wasallam a dit: l'heure n'arrivera pas avant que n'apparaisse l'obscénité, les péchés, la prononciation de propos obscènes, la rupture des liens de parenté et le mauvais voisinage. Allahu Akbar. L'heure n'arrivera pas avant que n'apparaisse l'obscénité, les péchés. Ça a paru ou non? La prononciation de propos obscènes, la rupture des liens de parenté
et le mauvais voisinage. Le hadith il est rapporté par Ahmad al-Hakim et Ahmad Shakir, rahimahullah, a déclaré que sa chaîne de transmission est authentique. Mon frère, ma sœur, toi qui prétends avoir la foi et qui coupe ta relation avec ta famille, sache que ta foi est manquante. La preuve, selon Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier. C'est notre cas? Vous croyez en Allah? Vous croyez au jour du jugement? Vous y croyez fermement? Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il reçoive généreusement son hôte, c'est-à-dire son invité. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il maintient ses liens de parenté. Falyasil rahimah. Qu'il maintient ses liens de parenté. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise une bonne chose ou qu'il garde le silence, rapporté par Bukhari Muslim. Et sachez, Ahbab al-Kiram, que la rupture des liens de parenté est un malheur dans ce monde. Elle est une tristesse, un mal, une blessure et une étroitesse dans la poitrine, une haine dans les cœurs des créatures, une rancune auprès des proches, une infortune dans les affaires de la vie et une exposition à la colère d'Allah Azza wa Jal, à l'éloignement de sa miséricorde et un châtiment douloureux dans l'autre monde. Écoutez avec moi attentivement ce hadith. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, Allah tabaraka ta'ala a créé les créatures. Quand il finit de les créer, le lien de parenté se leva et dit, c'est l'occasion de demander protection contre le mauvais traitement, contre la rupture des liens de la parenté. Allah tabaraka ta'ala dit oui. Et il dit au lien de parenté, acceptes-tu que je reste lié à celui qui te respecte et je romps mon lien avec celui qui te rompt? Mon frère, ma sœur, tu veux qu'Allah tabaraka ta'ala coupe sa relation avec toi? Eh ben, t'as pris le bon chemin, celui de couper ta relation avec les membres de ta famille. Et si tu coupes ta relation avec Allah, mais qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui te reste? Tu n'es qu'un perdu, t'as tout perdu. Wallahi l'azim, c'est la perte. Acceptes-tu, dis Allah tabaraka ta'ala, que je reste lié à celui qui te respecte et que je romps mon lien avec celui qui te rompt? Il dit le lien de parenté, oui. Et là Allah tabaraka ta'ala dit, c'est un droit qui t'est désormais acquis. Puis le prophète alayhi salatu wasalam dit, lisez si vous voulez ces versets, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهِ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. N'avez-vous pas peur qu'en vous détournant de la religion, vous ne répandiez le désordre sur la terre et que vos liens familiaux ne se détériorent? Ce sont ceux-là qu'Allah a maudit. Ce sont ceux-là qu'Allah a maudit. Ils sont chassés de la miséricorde d'Allah. Il les a rendus sourds et a rendu leurs yeux aveugles. Ça c'est dans Sourate Muhammad, Sourate 47, versets 22 et 23. Et le hadith il est rapporté par Bukhari Muslim. Et Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu rapporte, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wasalam dire, Allah a dit, je suis Allah et je suis le très miséricordieux. J'ai créé le lien de parenté et je lui ai donné un nom qui dérive de mon nom propre. Celui qui le préserve, je le préserverai, et celui qui le brise, je m'en détournerai. Mon frère, tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala se détourne de toi? Ma sœur, tu veux qu'Allah tabaraka ta'ala se détourne de toi? Ce hadith là il est authentique, il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Normalement quand t'entends des versets qui menacent ceux qui rompent leur lien avec les membres de leur famille, des hadiths comme ces hadiths là tu dois te poser des questions. Jusqu'à quand je vais rester ainsi? Jusqu'à quand je parle plus à mon oncle? Jusqu'à quand je parle plus à mon père et ma mère? Et le père qui ne parle plus à son enfant, ou qui ne parle plus à son frère de sang, ou à son oncle ou à sa tante, et ainsi de suite? Jusqu'à quand? Certains se demandent pourquoi lorsqu'ils invoquent Allah tabaraka ta'ala n'accepte pas leur dua. La réponse à cela, c'est qu'il y a des choses qui empêchent le dua d'être accepté. Parmi ces choses, le fait de rompre les liens de famille. Et selon Abu Bakr radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, il n'y a pas de péché qui mérite le plus qu'Allah avance le châtiment dans ce monde pour celui qui le commet, avec ce qu'il lui réserve dans l'autre monde que l'oppression et la rupture des liens de parenté. Je répète, un Nabi sallallahu alayhi wasalam nous dit, il n'y a pas de péché qui mérite le plus qu'Allah avance le châtiment dans ce monde pour celui qui le commet, avec ce qu'il lui réserve dans l'autre monde que l'oppression et la rupture des liens de parenté, rapportés par Ibn Majah, Tirmidhi et Al-Hakim. Cela signifie que
que celui qui rompt ses liens de parenté, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui accélère le châtiment dans ce bas monde. Il lui accélère le châtiment dans ce bas monde. Et celui qui rompt ses liens de parenté, ses bonnes actions ne sont pas acceptées. Ses bonnes actions ne sont pas acceptées. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, les œuvres des fils d'Adam sont exposées à Allah le jeudi soir. Et les actions de celui qui a rompu les liens de parenté ne sont pas acceptées. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Les œuvres des fils d'Adam sont exposées à Allah le jeudi soir. Et les actions de celui qui a rompu les liens de parenté ne sont pas acceptées, rapportées par Ahmed et il est jugé valide par Sheikh Al-Albani. T'imagines, les actions de celui qui a rompu les liens de parenté ne sont pas acceptées. Après ce dars, je veux que tu appelles les membres de ta famille et que tu renoues les liens avec eux. Fais un effort. Et selon Jubair ibn Mut'im, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, n'entre pas au paradis celui qui brise les liens de parenté, rapporté par Bukhari Muslim. N'entre pas au paradis celui qui brise les liens de parenté. Mon frère, ma sœur, prends l'habitude de visiter et d'être bienfaisant envers ta famille, même ceux qui te détestent. Écoute bien ce que j'ai dit, même ceux qui te détestent. Et ça, ça vient pas de moi, ça vient de notre religion. Et d'ailleurs, notre religion nous appelle à faire des aumônes à ceux qui sont mauvais et qui ont la haine contre nous dans notre famille. T'imagines ? Écoute avec moi ce hadith. Selon Abu Saïd, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, la meilleure aumône est celle faite à un de tes proches qui a la haine contre toi. Allahu Akbar. T'arrives à imaginer un petit peu ? La meilleure aumône est celle faite à un de tes proches qui a la haine contre toi. Il ne t'aime pas. Le hadith est rapporté par Al-Hakim al-Tabarani et il est authentifié par Sheikh Al-Albani. Mais pourquoi, à votre avis, c'est la meilleure aumône ? La réponse, c'est que lorsque tu vas agir ainsi avec le membre de ta famille, ta bienfaisance va éteindre sa haine. Ta bienfaisance va éteindre sa haine. Car comme vous le savez, chaque personne aime celle qui est bienfaisante envers elle. En lui donnant fisabilillah, tu vas l'adoucir. Et de cette manière, tu pourras retisser ton lien avec lui ou elle. Et Allah tabaraka ta'ala a dit dans surat Fussilat, surat 41, verset 34, « وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ » La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. N'est-ce pas ? Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient-elle un ami chaleureux. Sois bienfaisant envers celui qui est mauvais envers toi. Tu vas, inshallah, bi'idhnillah, l'adoucir. Uqba ibn Amr, radiallahu anhu, rapporte. J'ai rencontré le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Je lui pris la main et dis, ô messager d'Allah, informe-moi des meilleures œuvres. Informe-moi des meilleures œuvres. Celui qui se plaint des péchés, qu'il écoute attentivement ce hadith. Il, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dit, ô Uqba, maintiens les liens de parenté. Avec qui ? Avec celui qui les a rompus avec toi. T'as entendu mon frère ? T'as entendu ma sœur ? Maintiens les liens de parenté avec celui qui les a rompus avec toi. C'est-à-dire un membre de ta famille, il ne veut plus te voir. Toi, tu continues quand même à aller le voir. Ça fait partie des meilleures œuvres. Ô Uqba, maintiens les liens de parenté avec celui qui les a rompus avec toi. Donne à celui qui te prive. Et ne te préoccupe pas de celui qui a été injuste envers toi. Et ne te préoccupe pas de celui qui a été injuste envers toi. Et dans une version, et pardonne à celui qui a été injuste envers toi, rapporté par Ahmad al-Hakim et authentifié par Sheikh al-Albani. Mon frère, ma sœur, tu veux le paradis ? Renoue ton lien avec les membres de ta famille. Renoue ton lien avec les membres de ta famille. Fais un effort. Et Abi Ramtha, radiallahu anhu, rapporte que le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit, sois bienfaisant envers ta mère et ton père, ta sœur et ton frère, puis les plus proches de ta famille. Rapporté par Ahmed al-Hakim et authentifié par Sheikh al-Albani. Subhanallah, regarde le prophète alayhi salatu wasalam, il nous dit quoi dans ce hadith ? Sois bienfaisant envers ta mère et ton père, ensuite ta sœur et ton frère, puis les plus proches de ta famille. Wallahi al-Azim, c'est des paroles qui sont très très belles. Retiens de ce hadith que dans la famille, il y a des priorités. N'est-ce pas ? La priorité dans la famille, c'est quoi ? D'abord, La mère, puis le père, n'est-ce pas ? Vous connaissez tous ce hadith, selon Abu Huraira, radiallahu anhu, un homme vint chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit, ô messager d'Allah, quel est celui qui mérite le plus
que je lui tienne compagnie. Il alayhi salatu wa sallam dit ta mère. Il dit et qui encore? Il dit ta mère. Il dit et qui encore? Il dit ta mère. Il dit et qui encore? Il dit ton père. Rapporté par Bukhari Muslim. Trois fois la mère et une fois le père. Et c'est normal. C'est normal. C'est la maman qui a porté le bébé dans son ventre, n'est-ce pas? C'est elle qui a accouché. C'est elle qui a allaité. Donc elle a plus de droits. Soyez donc bienfaisants envers vos parents qui vous ont longtemps supporté. Et ne soyez pas comme certains en voyant leurs parents arriver à un certain âge, ils les emmènent dans des maisons de repos. Nous au contraire, quand ils grandissent, on est encore plus à leur service. S'il faut même qu'avec ma main, je nettoie ces impuretés, je le ferai. Pourquoi? Parce que eux aussi, ils ont fait plus que ça. Ils se sont privés pour que moi, je grandisse, je mange, je reste en bonne santé, etc. Et ça, c'est le minimum. Donc, pour commencer, ta mère, ton père, les parents d'abord. Puis après cela, n'oublie pas ta sœur et ton frère. Ou tes sœurs et tes frères. Mon frère, toi qui as une sœur, honore-la. Valorise-la. Prends de ses nouvelles en la visitant par téléphone, en l'appelant, en lui envoyant des SMS. Rappelle-lui, Allah tabaraka ta'ala, ne sois pas le frère qui ne calcule jamais sa sœur. On en a comme ça malheureusement. Et sous prétexte qu'il est trop occupé à l'école ou au travail ou sa vie professionnelle, elle l'a éteint, ou bien sa vie de couple. Chacun d'entre nous, il a des occupations. Chacun d'entre nous, il a une vie privée. Chacun d'entre nous, il a des choses qui lui prennent du temps. Mais tu dois donner le droit de ta famille. Tu dois au moins par téléphone, par un SMS, par une lettre, par le fait d'aller la visiter. Cette personne-là, si en plus de ça, elle habite pas très loin. Et si elle habite très loin, de gérer, de voir comment est-ce que je vais faire pour y aller quand même de temps en temps. D'accord ? C'est très important. Maintenant, une question très importante s'impose. Comment, de quelle manière devons-nous maintenir les liens de parenté? Comment? La réponse, elle est assez longue et elle mérite d'être écoutée attentivement. Pour commencer, apporte-leur tout bien et écarte d'eux tout mal dans la mesure du possible. Puis, avoir de bonnes relations avec sa famille, c'est bien se comporter avec eux. Avoir un bon comportement avec eux. C'est-à-dire qu'eux, ils vont peut-être être durs, ils vont peut-être être désagréables, ils vont peut-être dire des propos qui me déplaisent, je vais encaisser, je vais patienter et je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas, je ne céderai pas à la provocation. Je vais patienter. Donc, un bon comportement. Un bon comportement, c'est être à leur service, être aimable, leur dire des bonnes paroles, leur sourire, les visiter, leur faire des cadeaux, organiser des repas avec eux, prendre de leurs nouvelles, les aider financièrement, quand ils sont dans le besoin. Écoute avec moi ce hadith. Selon Ibn Amr, radiallahu anhu, le prophète a dit, écoute bien, l'aumône faite aux pauvres est une simple aumône. Et aux proches, elle en compte deux. Quand tu fais une aumône à un pauvre dans la rue, elle compte une seule aumône. D'accord? Mais quand tu en fais une à un de tes proches, de la famille, elle en compte deux. Elle compte une aumône et un respect des liens de parenté. Et ça, c'est le hadith du prophète a.s.w. Il est rapporté par Tirmidhi. Donc si tu as un ami pauvre et un membre de ta famille pauvre, donne la priorité à qui? À celui qui fait partie de ta famille. Puis si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné les moyens, donne aux deux. D'accord? Mais fais toujours avancer quoi? Ta famille. L'aumône faite aux pauvres est une simple aumône et aux proches, elle en compte deux. Une aumône et un respect des liens de parenté. Donc je reviens à dire, avoir une bonne relation avec sa famille, c'est bien se comporter avec eux. Leur sourire, les visiter, les prendre dans tes bras. Et bien sûr, une petite parenthèse, les femmes non mahram de ta famille, telles que tes cousines, tu ne les prendras pas dans tes bras. Si jamais. Hein. Il sort de la conférence, il dit l'Akhnadri, il l'a dit. Hein. Non, on précise parce que toujours, malheureusement, il y a des gens, ils ont un don pour comprendre ce qu'il ne faut pas comprendre. On l'a vu plusieurs fois sur internet, par des gens, mashallah, ils ont une compréhension assez technique. Donc on préfère le préciser. D'accord? Tu ne prendras pas dans tes bras ta cousine. Tu ne lui feras pas la bise et tu ne vas pas lui serrer la main. D'accord? Je peux parler avec elle au téléphone, tout ça, on discute un peu, je vois un peu comment elle va, tout ça. Akhil Habib, ferme cette porte, c'est mieux pour toi et pour elle. D'accord? C'est mieux pour vous deux. Donc, les prendre dans tes bras, leur faire des cadeaux, organiser des repas avec eux, prendre de leurs nouvelles, les aider financièrement quand ils sont dans le besoin, leur être utile, les appeler à Allah. Ils ont besoin par exemple de traduire une lettre, d'envoyer un courrier, de lire un document parce qu'ils ne maîtrisent pas le français. Tu dois être présent, mon frère, pour ta famille. Tu dois être présent, tu dois aider. Tu dois être utile.
Mais une famille qui voit jamais son fils ou un parmi les membres, mais pose-toi des questions. Est-ce que tu trouves que toi t'es normal? Jamais ils te voient? Ils ont jamais de nouvelles de toi? À part, il est au travail, il est là-bas, à droite et à gauche, et on n'entend parler de lui que par des échos lointains. Non. Donc, être utile aux membres de la famille, les appeler à Allah quand parmi eux il y a des égarés et leur faire des invocations. Être content pour les bienfaits qu'ils ont. Les féliciter lorsqu'ils sont joyeux. Ils ont eu un bébé par exemple, ou bien il y a un mariage, on les félicite. On est heureux pour eux. Être triste lorsqu'un malheur les atteint, une maladie ou autre. Se préoccuper de leur situation. Respecter les personnes âgées parmi eux. Être miséricordieux envers les petits. Patienter lorsqu'ils nous font du tort. Avoir un bon comportement avec eux et leur donner de bons conseils. Prends l'habitude de visiter ta famille. Quand ils vont bien, mais surtout quand ils sont malades. Ou quand ils sont dans des problèmes. Dans le cas où l'un d'entre eux meurt, suis son cortège funéraire. Assiste à son enterrement. Fais-lui des doigts et sois présent pour sa femme et ses enfants après sa mort. Les membres de ta famille doivent te sentir proche d'eux. Et dans le cas où tu as du mal à les visiter, parce qu'il y a une grande distance qui vous sépare, n'oublie pas qu'il y a les téléphones, les lettres, les emails. Et en parlant de téléphone et internet, une petite parenthèse comme ça, Allah ybarik fikoum, on vit aujourd'hui une époque qui est vraiment catastrophique au niveau des technologies, j'explique. On rentre aujourd'hui dans une maison, généralement ce qu'on voit dans ces maisons-là de musulmans, c'est que le papa il est devant la télé, les enfants, si c'est pas l'iPhone, c'est l'iPad, si c'est pas l'iPad, c'est l'ordinateur, et chacun il est avec un écran devant lui. Tu rentres dans le salon, à part le moment du repas, et encore, parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas le repas de famille, tu les vois tous comme ça. Oh, Facebook, regarde, il a mis j'aime. Oh. C'est vrai, c'est pas vrai. Ils sont comme ça. Il vient et dit salam alaikum, il attend sur Facebook 2 heures que quelqu'un lui réponde le salam. C'est vrai ou pas? Et quand quelqu'un lui répond salam, ya rabbi al-kalam, enfin j'ai un ami. Franchement, ces nouvelles technologies, elles ont énormément pourri les relations familiales. Énormément. Ça a joué un jeu négatif dans les foyers. Ils sont tous coupés, tous connectés, tous. Un endroit où il n'y a pas de wifi, son cerveau il craque. D'ailleurs, quand il rentre dans une maison de n'importe quel pote, la première chose, la clé wifi s'il te plaît. Il ne s'est même pas encore assis mon frère, il demande la clé wifi. Il n'y a plus comme nos grands-pères et nos grands-mères. À leur époque, machallah, c'était la belle vie. Ils restaient entre eux. C'est ça ou pas, cher? Ils parlaient entre eux, ils discutaient, ils partageaient, ils rigolaient. Ils racontaient des histoires, des problèmes, ils cherchaient des solutions aux problèmes. Là, aujourd'hui, tu rentres. Chacun, il est comme ça. L'autre, il est comme ça. L'autre, il a son casque. Ils sont tous absents. Dans la famille, ils sont absents. Tu les vois dans une même pièce, il n'y en a aucun qui communique avec l'autre. Ça, c'est normal, ça? On en rit. On dit, c'est vrai, le frère, il a dit la vérité. Mais après, et après, c'est pas normal, wallah l'azim, c'est pas normal. Faut que tu te débranches, tu te déconnectes toi, mets-toi en mode avion, il n'y a plus internet chez toi. Et après, reste un peu avec la famille. Parle un peu avec eux. Parle, partage. Ta maman, elle doit, j'ai faim. Bon, je vais dormir, j'ai fait mes devoirs. C'est quoi ça? T'as l'hôtel. Le papa, pareil, miskin, il rentre. Il est fatigué du travail. Samhoun, il est papa, hein, je suis obligé de le dire. Hein. Il allume Jazeera, il mange, il prend son étail. T'as fait le devoir ou pas? Va dormir, allez, roh. C'est quoi ces familles? Billahi, c'est quoi ces familles? Pourquoi le papa il s'assoit pas avec son fils? Parle un peu avec lui. Et après le papa il nous appelle quand? Quand il y a un problème de drogue. Parce qu'il l'a pas suivi. Quand il est avec une fille dans le haram. Quand il a trouvé des préservatifs dans son cartable. Là on se fait appeler. Allô, mon frère Nader. Catastrophe. Mais le papa, il faisait quoi? Il était où? Ah, il était trop occupé, Mskin. Il y a les infos. T'as vu la Syrie, ce qui se passe là-bas? Il n'y a pas de problème. Regarde. Et c'est important de voir ce qui se passe dans le monde. De s'intéresser à notre communauté. Mais ton enfant qui est devant toi, là, il va devenir quoi? Il sait même pas lire l'arabe. Il connaît même pas le Coran. Il connaît rien. Il connaît juste un clavier, un code wifi et il est sur Facebook. C'est une misère. Wallah, c'est une misère. Fa barakallahu fikoum comme les frères. Ainsi que vous, mes sœurs, débranchez-vous. Vous, avant de débrancher ces outils informatiques et ces nouvelles technologies. Débranchez-vous
et passez un peu de moments avec vos familles, parlez un peu avec eux. Tout ça, ça fait partie de ce qui va maintenir les liens de parenté. C'est important. Et pourquoi est-ce qu'on voit pas dans vos maisons, je parle pas pour tout le monde parce que je sais que certains le font, alhamdoulilah, une petite assise autour d'un livre où on va lire un hadith du prophète alayhi salam. On va étudier un verset du livre d'Allah tabarak wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça? Nous, quand on se parle, c'est uniquement pour dunya. Et je ne généralise pas, je sais qu'il y a des gens qui sortent de la généralité. Mais quand même. Enfin donc, je reviens à dire que les membres de ta famille doivent te sentir proche d'eux. Et dans le cas où tu as du mal à les visiter, parce qu'ils habitent loin, il y a une grande distance qui vous sépare, n'oublie pas qu'il y a les téléphones. Mais j'espère que tu as bien compris pour le téléphone ce que je veux dire. C'est pas que tu restes H24 dessus. Hein. Tu prends des nouvelles en cas de besoin et après tu le mets de côté. D'accord ? Envoie des lettres ou des emails. Et dans le cas où dans ta famille certains ne te parlent pas et ils sont mauvais envers toi, et là je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Si c'est pas dans la mosquée, c'est à travers Bénéla l'enregistrement. Et dans le cas où certains ne te parlent pas, d'accord ? Et ils sont mauvais envers toi, ta mission à toi sera d'être bon avec eux, de les visiter, même si eux, ils ne veulent pas te visiter, de pardonner à ceux qui ont été injustes envers toi. Et rappelle-toi du hadith, maintiens les liens de parenté avec celui qui les a coupés avec toi. Rappelle-toi des paroles du prophète alayhi salatu wasalam qui appellent à l'excellence dans le comportement. Donne à celui qui te prive et ne te préoccupe pas de celui qui a été injuste envers toi. Et dans une version, et pardonne à celui qui a été injuste envers toi. Apprends à pardonner. Parce qu'au final, tu fais ça pour qui? Pour qui? Pour Allah tabarak wa ta'ala. Tu espères la récompense d'Allah azawajal. Et tu sais que le paradis, c'est la marchandise d'Allah. Et que la marchandise d'Allah, elle vaut cher. Et pour avoir le paradis, il faut faire des efforts. Il faut faire des choses qui, des fois, ne sont pas faciles. Et parmi ces choses, c'est ils ont coupé leur relation avec moi, je ne vais pas la couper moi-même. Je ne serai pas le premier à couper ma relation avec eux. Si eux, ils le font, je le ferai pas. Rappelle-toi que les personnes qui méritent le plus ta bienfaisance sont les membres de ta famille. Mon frère, ma sœur, sache que celui qui a le plus respecté les liens de famille a été notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam, notre modèle, a été près de son oncle Abu Talib, qui n'était pas musulman jusqu'au dernier instant. Pourquoi ? Pour l'inviter à l'islam. Mais il mourra mécréant, suite à quoi le prophète alayhi salatu wa sallam s'attrista énormément. Mes frères et sœurs, rappelez-vous ce qu'a dit notre mère Khadija radiallahu anha au prophète alayhi salatu wa sallam lorsqu'il est venu effrayé après sa première rencontre avec Jibril alayhi salam, quand il a rencontré son épouse, son repos, la pieuse, la mère des croyants, la vertueuse Khadija radiallahu anha. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit: enveloppez-moi, enveloppez-moi. N'est-ce pas? Il avait peur. Puis, qu'est-ce qu'elle lui a dit, radiallahu anha, sa femme Khadija? Par Allah, Allah ne t'abandonnera jamais. Pourquoi? Tu maintiens les liens de parenté. Allahu Akbar. Il maintient les liens de parenté. C'est-à-dire quoi? Il en prend soin. Et le hadith, il est rapporté par le Bukhari. Mes frères et sœurs, prenons exemple sur notre prophète, alayhi salatu wassalam, et arrêtons de suivre le diable dans ses idées. Arrêtons. Aujourd'hui, tu dis à une personne, va parler à un membre de ta famille, dis, tu crois que je suis une serpillière? Il m'a humilié. Mais qu'est-ce que tu racontes de serpillière? Qu'est-ce que tu racontes de serpillière? Où sont passées les définitions religieuses? Pourquoi tu n'es pas modeste? Pourquoi cet orgueil? Pourquoi cette fierté déplacée? Pourquoi? Pourquoi tu ne vas pas faire le pas pour Allah? Et le meilleur d'entre vous, c'est qui? C'est celui qui passe le salam à son frère en premier. C'est impressionnant de voir ça. Et pour terminer, Ahbab al-Kiram, voyons ensemble quelles sont les raisons qui poussent les gens à couper leurs relations avec les membres de leur famille. Et Inch'Allah, on va essayer de trouver des solutions. Mon frère, pourquoi tu ne parles plus à ton père? Pourquoi tu ne parles plus à ta mère? À ton oncle? À ta sœur? Ma sœur, pourquoi tu ne parles plus à tes parents? À tes frères? À tes sœurs? À tes oncles? À tes tantes? Les raisons de cet immense péché sont nombreuses. La première raison qui a causé la rupture des liens entre les membres d'une même famille est que la communication n'est que dans un seul sens. La communication
n'est que dans un seul sens, c'est-à-dire que le frère va visiter son frère de sang, par exemple, mais sachant que son frère, lui, ne fait pas l'effort de le visiter aussi, alors il décide de couper son lien avec lui. Vous me suivez ? Il dit, écoute, moi, j'ai toujours été là pour lui. Dans toutes les occasions importantes, j'étais là. Son mariage, j'étais là. À la naissance de son enfant, j'étais là. Pour ses problèmes de santé, pareil. Quant à lui, je le vois jamais. Il vient jamais chez moi. Et comme j'ai une fierté, je ne peux plus accepter ses conditions. Je ne vais plus jamais aller chez lui. On entend ça malheureusement. Taïb, toi mon frère, ainsi que toi ma sœur, qui raisonne comme cela, réponds à ma question. Tu vas chez ton frère pour qu'il vienne chez toi ou tu vas chez ton frère pour Allah? Réponds-moi. Si c'est pour Allah, écoute avec moi ce hadith et l'histoire sera réglée, inshallah. Encore faut-il que tu te soumettes à l'ordre d'Allah et à celui de Nabi alayhi salatu wasalam. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit: celui qui respecte les liens de la parenté n'est pas celui qui rend le bien par le bien, mais c'est celui qui continue à respecter ses liens quand même ses proches les rompent. Je répète: celui qui respecte les liens de la parenté n'est pas celui qui rend le bien par le bien. On m'a fait du bien, je fais du bien. On me visite, je visite. Non, ce n'est pas celui-là qui respecte les liens de parenté. C'est pas mes paroles, c'est celles du prophète alayhi salatu wasalam. Et le hadith, il est rapporté par le Bukhari. Celui qui respecte les liens de la parenté n'est pas celui qui rend le bien par le bien, mais c'est celui qui continue à respecter ses liens quand même ses proches les rompent. C'est clair ? Certains pensent qu'on ne visite que ceux qui nous visitent. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Si lui ne visite pas, vas-y. Pour qui ? Pour Allah. Mais pour ça, il faut préparer l'intention de le faire pour Allah. Il faut préparer l'intention qu'on fait cet acte pour Allah tabaraka ta'ala. Donc si tu as cela en tête, ce problème-là, il est réglé. Celui de « il vient pas me voir, donc je vais plus le voir ». Non. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Vas-y quand même et sois bienfaisant. Pourquoi ? Parce que tu le fais pour Allah tabaraka ta'ala. Et selon Abu Huraira radiallahu anhu, un homme dit, écoute avec moi ce hadith qui est magnifique, il est rapporté par les mêmes musulmans. Un homme dit, ô messager d'Allah, j'ai des proches envers qui je respecte les liens de parenté et qui ne le font pas avec moi. C'est-à-dire que ne respectent pas les liens de parenté. Une relation à sens unique. Moi je respecte mes liens de parenté, mais eux non. J'ai des proches envers qui je respecte les liens de parenté et qui ne le font pas avec moi. Je leur fais du bien et ils me font du mal. Certains vont se dire, ah là vraiment là il a ciblé le problème. Écoute bien. Je leur fais du bien et ils me font du mal. Je les traite avec gentillesse et ils me maltraitent. Ça te va ? Qu'est-ce qu'il le dit le prophète alayhi salatu wasalam ? Parce qu'aujourd'hui on les entend les frères et les sœurs. Ah mais mon frère il me parle mal, ma mère elle me parle mal. Bah écoute bien, l'homme il dit quoi ? Je respecte les liens de parenté avec eux et ils ne le font pas avec moi. Je leur fais du bien, ils me font du mal. Je les traite avec gentillesse et ils me maltraitent. Il alayhi salatu wasalam lui dit: si tu es tel que tu le dis, cela n'en sera que plus douloureux pour eux. Ça sera douloureux pour eux et tu ne cesseras de trouver le soutien d'Allah contre leur préjudice tant que tu te conduiras ainsi. Tant que tu es comme ça, tu vas continuer à avoir le soutien d'Allah Azzawajal. Et qu'est-ce que tu as de plus ? Tu as le soutien du puissant Al-Malik, le roi. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Donc toi qui dis moi, je vais chez eux, mais eux ne viennent jamais chez moi, rappelle-toi toujours de ce hadith. Rappelle-toi toujours de ce hadith. Si tu es tel que tu le dis, cela n'en sera que plus douloureux pour eux et tu ne cesseras de trouver le soutien d'Allah contre leur préjudice tant que tu te conduiras ainsi. De même, toi qui dis quand je vais chez eux, ils me font des mauvaises remarques, ils me critiquent, ils parlent sur moi. Rappelle-toi de ce hadith. Je leur fais du bien et ils me font du mal. Je les traite avec gentillesse et ils me maltraitent. Est-ce que le prophète alayhi salatu wasalam le dit, ne va plus chez eux ? Il lui a dit ça ? Non. Donc les frères, Allah ybarik fikoum, faites un effort. Vous aussi mes sœurs, faites un effort. Si tu es tel que tu le dis,
Cela n'en sera que plus douloureux pour eux et tu ne cesseras de trouver le soutien d'Allah contre leur préjudice tant que tu te conduiras ainsi. Ou bien il arrive que ce soit à cause du fait que Muhammad a donné à sa sœur Zainab un grand cadeau pour son mariage et que Zainab n'a donné qu'un petit cadeau pour le mariage de Muhammad. Et ça y est, c'est pas plus. Quelle bassesse et quelle ridiculité. Quelle bassesse. Couper un lien de parenté pour un cadeau. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, le prophète والسلام, a dit « Celui qui respecte les liens de la parenté, si tu veux faire partie de cela, n'est pas celui qui rend le bien par le bien, mais c'est celui qui continue à respecter ses liens quand même ses proches liront. » Rapporté par le Bukhari. Deuxième raison de la rupture des liens de famille. Donc on a dit la première, c'est quoi? La communication, elle est dans un seul sens. Deuxième raison, le fait que certains membres de la famille sont noyés dans les péchés. T'as le frère qui ne visite plus son oncle, car son oncle, il est dans le bain des péchés. Il est noyé dedans. Il regarde le haram dans la télé, il prie pas. Sa femme, elle s'exhibe, elle s'habille, a'udhu billah. Ses enfants, des shayatines. Donc il se dit, ça sert à rien de les visiter, mon frère. Laisse tomber. On coupe nos liens avec eux. Mon frère, ma soeur, y en a-t-il un parmi nous qui ne fait pas de péché? Il lève la main. Il est où celui qui ne fait pas de péché? On fait tous des péchés, n'est-ce pas? Certes, il y a péché et péché, mais reste qu'on est tous dans le même sac. Puis, si tu coupes ta relation avec ceux de ta famille qui sont dans le péché, qui va les appeler à Allah? Qui? Il répond. En coupant ta relation avec eux, tu es en train d'aider le diable à les égarer encore plus. Et puis penses-tu que le prophète alayhi salatu wassalam a abandonné la da'wa de ses proches désobéissants? Selon Abu Huraira radiallahu anhu, quand fut révélé ce verset wa anzir ashirataka al-aqrabin, et avertis les gens qui te sont les plus proches, c'est un verset d'Allah qui est adressé au prophète alayhi salatu wassalam dans sourate Shu'ara, sourate 26, verset 214. Le prophète alayhi salatu wassalam, à la suite de ce verset, invita chez lui les membres de la tribu de Quraysh. Il s'adressa à la tribu dans son ensemble et à chacun de ses clans en particulier. Qu'est-ce qu'il a dit, alayhi salatu wassalam? Il dit, ô fils de Abd al-Shams, ô fils de Ka'b ibn Lu'ay, sauvez vos propres personnes du feu. Ô fils de Murra ibn Ka'b, sauvez vos propres personnes du feu. Ô fils de Abd al-Manaf, sauvez vos propres personnes du feu. Ô fils de Hashim, sauvez vos propres personnes du feu. Ô fils de Abd al-Muttalib, sauvez vos propres personnes du feu. Ô Fatima, Fatima c'est qui? La fille du prophète alayhi salatu wassalam. Sauve ta propre personne du feu, car je ne possède pour vous aucune parade contre Allah, si ce n'est les droits de la parenté que j'honorerai, d'ailleurs comme il se doit rapporté par muslim. On voit ici que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas dit c'est des kuffars, c'est des mécréants, et ben qu'ils brûlent en enfer. Moi, je me suis repenti, mes parents, c'est des non-musulmans, ils veulent pas de l'islam, allez, Jahannam wa bi'sal masir. Eh ben, qu'ils brûlent. Qu'ils aillent en enfer. Moi, voilà, alhamdoulilah, j'ai sauvé ma peau. Ils veulent pas accepter le message. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. La da'wa, ça demande un souffle. Ça demande du temps. Ça demande du temps. C'est pas du jour au lendemain, tu vas avoir du résultat. Et tu peux même ne pas avoir de résultat. Walakin, tu te dois de continuer à faire l'effort d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça a été le cas de nos prophètes, alayhim salam. Va donc faire la da'wah à tes proches qui ne sont pas dans le din. Et ne t'assois pas avec eux pendant qu'ils font des péchés. Allah tabaraka ta'ala dit dans surat al-Tahrim, surat 66, verset 6, Ya ayyuhal ladhina amanu, qu'u anfusakum wa ahlikum nara, wa quduha an-nas wal hijara. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Et pour ceux qui vivent dans une famille de non-musulmans, je parle ici des reconvertis. Je leur demande de m'écouter attentivement. Mettez le paquet dans le bon comportement et la patience. Allah tabaraka ta'ala a dit dans sourate Luqman, sourate 31 verset 15, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fi ad-dunya ma'rufa. Et si tous deux te forcent à m'associer, ils t'appellent au shirk, à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Ils t'appellent à la mécréance, au polythéisme, au grand péché, au péché, tu ne leur obéis pas. Mais regarde la suite.
mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Comporte-toi bien avec eux. Sois bienfaisant envers tes parents. Sois bienfaisant envers tes parents. Oui, mais mon frère, moi, ma mère, elle critique l'islam. Mon père, il critique l'islam. Petit à petit, inshallah. Avec ton comportement, excelle. Montre l'avant et l'après-islam. C'est pas possible qu'après ta reconversion, on voit que t'es encore plus mauvais. Ça, c'est qu'il y a quelque chose chez toi qui cloche. T'as pas compris la religion. Normalement, l'islam, ça doit faire qu'une seule chose, c'est t'embellir. Faire que tu sens très bon, comme un très bon parfum. Si on s'approche de toi et on sent que ça sent pas bon, c'est que le problème, il vient pas de l'islam, il vient de toi. Tu n'as pas compris le message de Mohammed alayhi salatu wasalam. Et certains, quand je leur parle et je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi votre famille, elle vous parle pas? Je parle ici des reconvertis. Ils me disent, ils acceptent pas la vérité. Tu creuses un peu, tu regardes comment ça se passe. Wallah al-Azim, c'est eux les premiers fautifs. Je parle des enfants. Pourquoi? Un parmi les frères, il est en embrouille avec sa famille. Il vient nous voir, il nous dit, voilà ma famille, des mécréants, kofar, 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 comme on l'entend tout le temps. Taïb, la solution. C'est bien ta mère, c'est bien ton père. Non, mais laisse tomber, ils n'aiment pas l'islam. Mais sur nous, on n'entend qu'une version. Et après, on se renseigne, on s'aperçoit que ce même jeune, il rentre chez lui, il ne dit jamais bonjour. Il ouvre le frigo, il le vide. Il mange tout, un aspirateur, il passe, il n'y a plus rien. D'accord? Et après, il va dormir, donc c'est un hôtel pour lui. Et il parle à personne. Et ses parents savent qu'il est musulman. Et depuis qu'il est musulman, il est comme ça. Après, il nous dit, c'est des mécrans, ils n'aiment pas l'islam. Je veux bien te croire, mais regarde ce que tu fais. Ou bien, une parmi nos sœurs, qu'est-ce qui vous arrive? Mes parents, taïb, votre comportement, je fais un effort. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils ne savent pas c'est quoi l'effort à faire. Eux, ils pensent qu'ils sont au top, au max. Mais quand toi, t'écoutes, presque ton cerveau, il va court-circuiter. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bah, mes parents. D'accord. Comment ça s'est passé? Bah, en fait, voilà, j'ai arrêté de faire le haram, j'ai arrêté de faire beaucoup de choses et ça a choqué mes parents. Et donc, bah, à chaque fois, je disais à mes parents, haram, 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 haram. D'accord. Bah, ma sœur, c'est pas comme ça, doucement. D'accord? C'est des non-musulmans. Déjà, ils n'acceptent pas votre islam. Donc, allez-y doucement. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de dire c'est haram jusqu'à ce qu'on arrive à trouver un terrain d'entente. Déjà, qu'ils acceptent ma reconversion à la maison. Mais tu viens, tu lui montres que tu t'es coupé de tous les plaisirs de ce bas monde pour eux qui sont le top. En disant haram, 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 eux ils se disent quoi? Bah, regarde, l'islam, il a isolé mon enfant. L'islam a fait qu'il est renfermé. Il est plus comme avant, épanoui. Là, il est triste, il est isolé. Et ça, c'est dû à quoi? Nous, notre comportement. On sait que l'islam, c'est la vérité. On a des hadiths en tête, etc. Mais on ne sait pas comment faire pour manier, utiliser ces textes. Donc, on choque. On choque les parents. Et à la fin, les parents, ils mettent la faute sur quoi? Sur l'islam. Donc, on veut bien croire qu'il y a des parents qui, par les médias et par ce qu'ils ont lu ou entendu de leurs amis, etc., ont une mauvaise image de l'islam. Ça arrive. Il y en a. On ne dit pas qu'il n'y en a pas, mais en même temps, regardez-vous comment vous vous comportez avec vos parents. Un grand nombre de convertis se comportent d'une manière catastrophique. Catastrophique. À la mosquée, on les voit, mashallah, le frère sunna, la sœur en hijab ou jilbab. Et à la maison, c'est... Mais laisse tomber, un autre visage. Et après, il n'y a rien à faire avec eux, c'est des mécréants. Mashallah alik, Allahi barik. Asma, la fille d'Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anha, elle rapporte, du temps du prophète alayhi salatu wasalam, ma mère vint me rendre visite alors qu'elle était encore idolâtre. Elle n'était pas musulmane. J'ai été prendre conseil à son sujet auprès du prophète alayhi salatu wasalam. Je lui dis, ma mère est venue me demander quelque chose, dois-je maintenir mes liens avec elle? Il alayhi salatu wasalam dit, oui, maintiens le lien avec ta mère, rapporté par Bukhari Muslim. Au lieu de toujours dire mes parents sont mécréants, ils n'aiment pas l'islam, je souffre avec eux, regardez un petit peu comment est-ce que vous vous comportez avec eux. Comment? Parce que malheureusement, pour pas généraliser, mais beaucoup de cas sont vraiment catastrophiques, j'ai bien dit catastrophiques, de la part de beaucoup de reconvertis. C'est-à-dire, ils sont rentrés, ils voient le texte, ils veulent appliquer. Moi, je te félicite pour ça. Mais le problème, c'est que t'as pas l'art de la pratique. T'as pas l'art de la da'wah. T'as pas le bon comportement.
tu n'as pas appris le comportement. Tu es rentré directement en clash avec les membres de ta famille. Alors que la première chose que tu dois leur exposer sur un plateau en or, c'est l'adab al-akhlaq, c'est ton comportement. Ton comportement. Ton comportement a fait que l'or que tu possèdes est devenu aux yeux de tes parents un poison. Pourquoi ? Parce que ta langue, ton comportement, ta manière de choquer, d'être brusque, elle est mauvaise et tu penses bien faire malheureusement. C'est très facile de dire qu'ils sont mauvais, ils n'aiment pas le dîner, etc. Mais est-ce que vous donnez envie d'être musulman ? Chacun là tout de suite répond à cette question. Quand un musulman ou un non-musulman, il reste avec moi, est-ce qu'il souhaite devenir musulman ou il se dit « BFM, ils avaient raison. Les médias n'ont pas tort. Les musulmans et les arabes, c'est débouché. Ils se comportent mal. Ils crient, ils insultent, ils cassent, ils volent, etc. » Alors, vous les reconvertis, je m'adresse à vous parce que vous êtes mes frères et mes sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala et wallahi al-azim, je veux votre bien. Est-ce que vous donnez envie d'être musulman ? Est-ce que vous montrez une bonne image ? Est-ce que quand quelqu'un vous voit dans votre famille, il se dit qu'est-ce que j'aimerais être comme lui ? Ou est-ce qu'ils se disent évite-le comme on évite la peste ? La plupart de nos frères et sœurs n'ont pas très bien compris ce qu'est le comportement avec la famille. Et ils se permettent de jeter des pierres sur leur famille. Et dans le cas où vraiment votre famille est mauvaise, que vous avez été lésé, qu'il vous parle mal, patientez. Faites des doigts et faites tout pour montrer une bonne image malgré les épreuves et les misères que vous subissez, car au final vous le faites pour Allah tabaraka ta'ala. Et surtout, retenez-le, hein, Allah tabaraka ta'ala ne vous abandonnera pas dans le cas où ça devient plus qu'insupportable. Donc demandez à Allah tabaraka ta'ala son soutien. Et n'hésitez pas à consulter des gens de science afin de vous aiguiller. Troisième cause de la rupture des liens, les pères et mères de famille. Les pères et mères de famille. En fait, c'est des parents qui vont interdire à leurs enfants d'aller visiter leurs oncles, leurs tantes, etc. Jusqu'à ce qu'on voit des frères et des sœurs couper leurs relations avec leurs oncles, leurs tantes. Ou des fois, ses parents sont divorcés, il vit avec son père, il ne va plus visiter sa mère et il ne lui parle plus. Pourquoi ? Il a pris parti. Mais subhanallah, c'est ta mère qui t'a mis au monde. Ne rentre pas dans les problèmes qu'il y a eu entre eux. Toi, t'es là, il y a un lien de parenté à respecter obligatoirement, t'as pas le choix. Et dans le cas où il y a du haram commis par l'un ou par l'autre, ben, agis. Fais quelque chose pour changer le mal. Appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Mais non, il coupe sa relation avec sa mère. Ou bien elle vit avec sa mère, elle coupe sa relation avec son père parce qu'il les a abandonnés. Vous n'abandonnez pas vos parents même s'ils vous ont abandonnés. On ne leur jette pas de pierre à nos parents, ni aux membres de la famille. Et ce qui me tue dans cette histoire, c'est qu'on fait rentrer les enfants dans les problèmes de famille. La mère qui dit à son fils, ne parle plus à ton oncle car il m'a fait ceci et cela. Mais pourquoi est-ce que tu fais rentrer ton enfant dans tes problèmes ? Pourquoi est-ce qu'il est rentré dans ses problèmes? Il n'avait même pas à les écouter. Et la maman qui, facilement, elle dit à son fils, tu vas chez ton oncle, wallah, je fais du'a contre toi. Qu'Allah te guide. C'est une catastrophe, une maman comme ça. Et je m'adresse à cet enfant qui entend son père ou sa mère lui imposer de rompre ses liens avec les membres de sa famille en lui disant, ne leur obéis pas. Certes, les parents, ils ont une place très importante, mais quand il s'agit ici d'une ma'asiyah, et c'en est une, c'est un péché, on ne leur obéit plus. Pourquoi ? Parce qu'on a des textes. Selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, il n'y a pas d'obéissance à qui ? À la créature, dans la désobéissance à Allah. L'obéissance est seulement dans al-ma'ruf, dans ce qu'Allah a ordonné, rapporté par muslim. Et selon Ali radhiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, point d'obéissance à la créature dans la désobéissance à Allah, rapporté par Ahmed. La créature, elle te demande de désobéir au créateur, c'est terminé. Là, on n'obéit plus à la créature, on obéit à qui ? Au créateur. Le créateur m'a dit, maintiens les liens de parenté. La créature m'a dit, coupe les liens de parenté. J'écoute qui ? J'écoute qui ? Allah tabaraka ta'ala. Donc, dans le cas où on t'interdit de visiter les membres de ta famille, ne leur obéis pas, va les visiter en cachette. Fais tout pour éviter aussi les problèmes avec ta famille, visite-les quand même en cachette. Et je m'adresse à tous les parents en leur disant, craignez Allah azzawajal. Ne faites pas hériter ces haines et ces rancunes que vous avez avec vos proches à vos enfants. Mon frère, ma sœur,
même s'il y a une guerre acharnée entre toi et certains membres de ta famille, ne fais pas rentrer tes enfants dans ces problèmes. Fais pas rentrer les enfants dans les problèmes. Et dans le cas où ton fils ou ta fille parle mal de ton frère ou de ta sœur qui te fait des problèmes, blâme-le et dis-lui, c'est pas ton problème, il s'agit de ton oncle. Et dans le cas où il te dit, oui mais il t'a fait du mal, il a pris ton argent, etc., dis-lui, ce n'est pas ton problème, il s'agit de mon frère de sang. Rentre pas dedans. C'est entre nous, toi tu rentres pas dedans. Ne faites pas rentrer vos enfants, barakallahu fikoum, dans ça. Clair ? Et je demande aux enfants de ne pas couper les liens avec un de leurs parents. Même si un parmi eux est mauvais, ne coupez pas votre relation avec lui ou elle et mettez le paquet dans les invocations et dans les efforts pour leur faire la da'wah. Des fois, malheureusement, ce sont des femmes qui empêchent leur mari d'aller visiter leur mère. Pourquoi ? Parce que cette femme, elle est possessive. Elle aime tellement son mari qu'elle est jalouse de sa belle-mère. Et ça, c'est une catastrophe. Comment, ma sœur, tu peux empêcher ton mari, par des paroles ou des actions, d'aller visiter sa mère qui l'a mis au monde? Comment? Comment est-ce que tu peux oser faire ça? Et n'oublie pas une chose, ma sœur, c'est que kama tadin tudan, comme tu fais, on te fera. Accroche-toi, tu vas rembourser la facture, elle sera salée. Quand tu verras que ton fils ne veut plus de toi et il veut que de sa femme, ne te pose pas mille questions. C'est l'injustice que tu as commise, t'en paye le prix. Puis des fois, ce sont les maris qui interdisent à leur femme, sans aucune raison valable, d'aller visiter sa famille. Il la coupe de sa mère et de son père. C'est-à-dire que ni il va les visiter, ni il la laisse y aller. Lui, il n'y va pas. Ça, c'est déjà quelque chose. Et en plus, il empêche sa femme d'aller visiter ses parents, sa famille. Mon frère, toi qui es comme cela, tu es un criminel. Un criminel. Toub il Allah. Repends-toi à Allah tabaraka ta'ala. Et toi aussi, je te le rappelle, n'oublie pas que comme tu fais, on te fera. N'oublie pas, c'est une dette. Donc, on reprend les causes de la rupture des liens de parenté. On a dit 1, communication dans un seul sens. On a dit 2, les péchés de certains membres de la famille. 3, les pères et les mères qui motivent les enfants à ne plus parler aux membres de leur famille. 4, le fait d'être occupé par les affaires de ce bas monde. Il a tellement de choses à faire, que ce soit pour son travail ou pour l'association dans laquelle il est membre, qu'il n'a plus le temps d'aller visiter sa famille. Pire encore, on a le cas de ceux qui, parce qu'ils sont investis dans une association islamique, ne parlent plus à leurs proches sous prétexte qu'ils ou elles sont tout le temps occupés. Donc, je vous pose une question. Ceux qui sont investis dans la religion, qu'ils soient imams, qu'ils soient prêcheurs, qu'ils soient dans une association humanitaire ou autre islamique, vous dites, on n'a plus le temps de visiter la famille. On est trop occupé. Le prophète, alayhi salatu wasalam, il avait plus de responsabilités que nous ou c'est l'inverse? Répondez. Il avait la responsabilité de la communauté entière. C'était l'imam, c'était le gouverneur. C'était à lui que tout revenait, n'est-ce pas? Et il avait plusieurs épouses. Est-ce qu'il leur donnait leurs droits ou non? Est-ce qu'il était injuste envers ses épouses et il ne les voyait jamais, il ne leur donnait pas leurs droits? Répondez-moi. Donc c'est bien lui le qudwa, c'est lui le modèle ou non? Donc comment se fait-il que vous ne trouvez pas de temps pour rester avec vos épouses, avec vos parents, avec vos enfants, avec les membres de vos familles? Comment? Et vous vous occupez d'éduquer à l'extérieur alors qu'à la maison c'est en train de se détruire? Est-ce que vous pensez que c'est logique? C'est raisonnable? Où est passé l'équilibre dans votre vie? Vous avez oublié le hadith où le prophète alayhi salatu wasalam dit, ton corps a sur toi un droit, ta famille a sur toi un droit et Allah subhanahu wa ta'ala a sur toi un droit. Donne à chaque endroit son droit. Où sont passés ces droits? Pourquoi ils ont été bafoués? Où est passé l'équilibre dans ta vie? Vous devez montrer le contraire de cette image. Et je pose une question aussi à ceux qui sont investis religieusement dans une association islamique, dans une mosquée ou autre. Que vont dire de toi tes parents quand ils vont voir que ton travail dans telle association ou telle société t'as éloigné d'eux? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Il se peut qu'ils détestent sur long terme ton travail ou l'association dans laquelle tu es, car tu ne restes jamais avec eux. Tu vois le frère, il te dit,
Moi, alhamdoulilah, depuis que, grâce à Allah tabaraka ta'ala, je me suis reconverti ou je me suis repenti, je suis très investi dans la communauté au point où quand je rentre à la maison, je suis tout le temps sur l'internet en train de poster des choses, traduire, faire des vidéos, faire ci, faire ça. Je suis au téléphone en train de parler de l'association, je suis là en train de parler de religion et ma famille ne me voit plus. T'es content de toi là? Là comme ça, t'es un modèle, mashallah. Ouais, mais on a beaucoup de travail. Franchement, quand tu t'investis dans la religion, mashallah, tu vois tellement de responsabilités que tu n'as plus le temps. Eh ben, le prophète, alayhi salatu wassalam, qui est meilleur que toi et moi, trouvait le temps. N'est-ce pas? Il trouvait le temps. Donc, barakallahu fik, ainsi que toi, ma soeur, barakallahu fik, fais un effort et reste au moins une petite heure avec ta famille. Par jour. Je parle de tes parents. Quand tu habites chez eux, reste avec eux, parle. Ça va, maman, tu vas bien? T'as besoin d'un petit coup de main à la maison? Non, ils sont rentrés dans le dîn, les parents ils le voient plus. Ça c'est normal ça. Ça c'est normal. Posez-vous des questions et remettez-vous en question. Et c'est un rappel que je me fais à moi en premier. Le prophète alayhi salatu wassalam, qui est notre exemple, donnait le droit à toute chose. Mon frère, ma soeur, visite ta famille, reste avec eux et sois sûr que si tu fais cela, pour Allah, Allah bénira ton temps et tu pourras faire ce que tu voulais. Donne ce temps à la famille. Même si tu es chargé en responsabilité, Allah il va mettre la baraka dans le peu de temps qui te reste pour toi-même et pour le côté religieux et le côté associatif. Donne ce temps. Cinquième cause de la rupture des liens de parenté, c'est la richesse de certains et la pauvreté de certains. Ça, il est possible qu'on ne le voit pas en France, mais en Afrique, c'est fréquent. Le riche ne visite pas les pauvres et le pauvre, lui, ne visite pas aussi les riches. Le riche a honte d'aller chez son frère parce qu'il est pauvre. Il ne se voit pas aller dans un quartier pauvre avec sa grosse voiture. Il est classe, il est tout le temps en costume. Il va aller là-bas, c'est la honte pour lui. Il va marcher dans un endroit où il va se salir, c'est pas propre. La maison de son frère, voilà, c'est une maison qui est très modeste, donc il n'y va pas. De l'autre côté, le pauvre a du mal à visiter le riche car il n'a pas les moyens de lui amener un cadeau présentable lors de la visite. Ou bien parce que son frère, sa femme et ses enfants sont orgueilleux. Il les regarde de travers. Ô toi qui es riche et qui te comportes comme ça, rappelle-toi de ce verset. Inna akramakum indallah atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Sourate al-Hujurat, sourate 49, verset 13. Et toi qui es pauvre, va visiter ton frère pour Allah, même s'il est orgueilleux. S'il ne veut pas du tout te voir, ne coupe pas ta relation avec lui. Rappelle-toi des hadiths qu'on a cités tout à l'heure. D'accord? Visite-le, même rarement. Rappelez-vous que si on ne peut pas tout faire, on ne lâche pas tout. C'est-à-dire que si tu ne peux pas le visiter régulièrement, ne coupe pas ta relation avec lui, vas-y même tous les 3-4 mois. D'accord? Sixième cause de la rupture des liens de parenté, l'argent. L'argent. Tu vois le frère ne plus parler à son autre frère, pourquoi? À cause d'un héritage d'une terre ou d'une somme d'argent. Et des fois, c'est à cause d'une somme d'argent non remboursée en temps et en heure. Toi qui as mangé l'héritage de ton frère, veux-tu être puni yawm al-qiyama? T'obliques ces injustices-là? L'argent que tu as mangé là dans le haram, tu vas le rembourser, mais pas avec de l'argent yawm al-qiyam, avec tes hasanats. Et si tu n'en as pas, tu vas prendre les péchés de ton frère. Et il se peut que tu finisses en enfer. Selon Jabr radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam traversa le marché, plein de gens sur les deux côtés. Il passa devant un chevreau mort. C'est un animal mort, d'accord? Ayant de petites oreilles, signe de mauvaise race. Il le saisit par l'une de ses oreilles et dit: qui de vous voudrait payer un dirham pour ce chevreau? Qui achète cet animal mort pour un dirham? Tu ne l'aurais pas acheté, il est mort. Un dirham. Ils lui dirent: nous n'en voulons même pas pour rien. À quoi donc nous servirait-il? Puis il, alayhi salatu wassalam, dit: voulez-vous qu'il soit à vous? Ils dirent: par Allah, s'il était vivant, il serait déjà une honte avec ses petites oreilles. Qu'en est-il maintenant de lui alors qu'il est mort? Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: par Allah, ce bas monde, cette dunya, avec ses châteaux, ses ruisseaux, ses fleuves, ses montagnes, ses belles décorations, son argent, ses enfants, ses femmes et ses hommes. T'as vu toute la beauté de cette dunya? Par Allah, ce bas monde a pour Allah moins de valeur qu'en a pour vous ce chevreau. Rapporté par Muslim. Cette dunya pour laquelle il s'entretue aujourd'hui, elle ne vaut même pas un chevreau mort. Et pour un chevreau mort, il s'entretue pour un héritage? La hawla wa la quwwata illa billah. Allah ybarik fikoum, mettez la dunya à la poubelle et préservez vos liens qui valent l'or du monde. Septième cause de la rupture des liens de parenté, la piété de certains. Sa mère ne lui parle plus parce qu'elle veut porter le hijab. Ma sœur, parle avec elle gentiment.
vas-y doucement. Parle-lui avec des paroles d'amour sincères de ton cœur. Dis-lui, maman, tu as ta place. Je t'aime, tu peux même pas imaginer comment. Mais là, il s'agit de la religion. Regarde Allah ce qu'il a dit dans le Coran. Moi, je ne fais rien d'autre que d'obéir à l'ordre d'Allah. Ramène-lui des cadeaux. Flatte-la, comporte-toi bien avec elle. Montre-lui une bonne image de l'islam pour qu'elle accepte. Mais nous, ce qu'on montre, c'est quoi? L'agressivité. On répond, on crie, on hausse le ton, etc. Ou bien le frère se retrouve mis en quarantaine par ses parents depuis qu'il a porté sa barbe. Sachez que la bienfaisance fait fondre la dureté des gens. Faites un effort de ne pas répondre à chaud, encaissez. Et faites comme a fait Abu Huraira radiallahu anhu. Abu Huraira radiallahu anhu, ce grand compagnon, il raconte et s'est rapporté par l'imam muslim. Ma mère était mushrika, polythéiste. Et elle insultait le prophète alayhi salatu wasalam. Qu'est-ce que tu veux de plus? Elle insultait le prophète alayhi salatu wasalam. Et je l'appelais tout le temps à Allah, mais elle refusait toujours cet appel. Plein de leçons riches dans cette histoire. C'est qu'il continue à l'appeler à Allah, alors qu'elle est très mauvaise. Envers qui? Son bien-aimé alayhi salatu wasalam. Je me suis rendu chez le prophète alayhi salatu wasalam en pleurant après qu'il l'ait insulté. Elle lui demanda de faire des invocations afin que sa mère devienne musulmane. Le prophète alayhi salatu wasalam a levé les mains au ciel et a dit: oh Allah, guide la mère d'Abu Huraira. De retour à la maison, il frappe à la porte. Il voit sa mère qui ouvre la porte et elle a les traces des ablutions sur son corps. Elle porte un voile et elle lui dit: ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Abu Huraira, il est heureux. Il revient voir le prophète alayhi salatu wasalam en pleurant. Le prophète alayhi salatu wasalam lui dit: pourquoi pleures-tu? Il l'informa et il lui a dit de faire des invocations pour que sa mère aime les croyants et les croyantes. Et là, le prophète alayhi salatu wasalam a dit: oh Allah, fais rentrer dans son cœur l'amour des croyants et des croyantes. T'as vu la patience? Il a patienté et c'était pendant longtemps comme ça. Huitième cause de la rupture des liens de parenté, le fait que la distance qui sépare les membres de la famille est grande. Même si elle est grande, fais un effort. Le frère, par exemple, il est de Paris et la sœur de Marseille. Dans ce cas de figure, ne pas laisser une semaine ou un long moment sans prendre des nouvelles de nos familles par téléphone. Faire son max pour les appeler souvent et prendre aussi un billet de train ou d'avion et aller visiter au moins une fois dans l'année, voire plus si on a la capacité, nos frères ou nos sœurs. Neuvième cause de la rupture des liens de parenté, et bi'idhnillah tabaraka ta'ala, c'est avec ce point que je vais terminer, c'est l'ignorance des règles de la religion. Al-jahlu bi'ahkam al-din. L'ignorance des règles de la religion. Le fait que les gens ignorent le châtiment d'Allah dû à la rupture des liens de parenté fait que ce fléau s'est banalisé aux yeux de certains. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wasalam? Selon Abu Ayyub radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit: il n'est pas permis à un musulman de fuir son frère plus de 3 jours. T'as pas le droit de ne pas parler à ton frère plus de 3 jours consécutifs. Ainsi, ils se rencontrent et chacun d'eux tourne la tête de côté. Le meilleur des deux est celui qui salue le premier, rapporté par Bukhari Muslim. Le meilleur des deux, c'est qui? C'est celui qui passe le salam en premier. Il va faire la paix avec son frère ou avec sa sœur de sang. Ce que tu vas gagner par salat al-rahim, par le fait de maintenir les liens de parenté: 1. La baraka dans ta vie, la bénédiction d'Allah dans ta vie. La baraka dans quoi? Dans ta vie. Wallah al-azim, c'est impressionnant quand même. C'est-à-dire que celui qui maintient ses liens de parenté, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui bénit sa vie. Et il lui rajoute aussi quoi? De la baraka dans l'argent. Ça, c'est pas mes paroles, Ahbabi. Ça, c'est les paroles de Nabi alayhi salatu wasalam. Écoute avec moi ce hadith. Selon Anas radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit: celui qui aimerait bien qu'on élargisse sa subsistance. Tu veux de l'argent, mon frère? Tu veux de l'argent? Tu veux de la baraka dans ton argent? Celui qui aimerait bien qu'on élargisse sa subsistance et qu'on retarde l'échéance de sa mort, c'est-à-dire qu'on bénisse sa vie, qu'il se montre bon avec ses proches, rapporté par Bukhari Muslim. Donc la baraka dans ta vie et dans tes biens. Deuxièmement, tes aumônes en leur faveur sont doublées. Troisièmement, le paradis. Tu veux gagner le paradis? Selon Abu Ayyub radiallahu anhu, quelqu'un dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: indique-moi une œuvre qui me fasse entrer au paradis. Il lui dit: tu adores Allah sans rien lui associer. Tu fais correctement la prière, tu t'acquittes de l'aumône légale et tu honores les liens de parenté, rapportés par Bukhari Muslim. Et Abdullah ibn Salam radiallahu anhu a dit: j'ai entendu le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam dire aux gens: afshu salam, saluez les autres. Wa at'imu at'am, donnez à manger. Et regarde bien, respectez les liens de parenté. Et priez quand les autres dorment, vous entrerez au paradis en toute tranquillité. Rapporté par At-Tirmidhi. Des récompenses énormes, l'exaucement des doigts. Allah tabaraka ta'ala
Adieu au lien de parenté, je reste lié à celui qui te respecte et je romps mon lien avec celui qui te rompt. Donc je m'adresse à vous, musulmans et musulmanes, craignez Allah tabaraka ta'ala, réconciliez les membres de votre famille qui ne parlent plus entre eux. Et rappelez-vous que le fait de réconcilier les membres de la famille, c'est une adoration qui est immense, immense. Réconciliez les membres de votre famille et que la rupture des liens de parenté ne provienne pas de vous, car rien n'échappe à Allah. Écoutez des rappels sur ce sujet régulièrement et faites-en écouter à ceux autour de vous. Et aujourd'hui, j'ai bien dit aujourd'hui, réparez tout avec vos familles pour Allah tabaraka ta'ala. Pensez à la récompense d'Allah, pensez au paradis. Bi'idhnillah, tout ça vous motivera à faire le bien et à être bienfaisant. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله